Alors c'est parti pour découvrir les gorges du Sègre à Lyon. Alors là c'est le petit village, on va y passer tout à l'heure. Ah, il y a une sorte, ouais, c'est là-bas, j'ai le soleil dans les yeux. Hop. Une sorte de petite cathédrale là-bas, sur un rocher. Alors nous c'est cette direction là qu'on va. Là c'est propriété privée. Ouais, le fermier je suppose. Hop. Qui fait ses petites cultures. Et puis voilà le panorama qu'on a. Donc on part pour 10,6 km. Il y a la boucle du Lion aussi. Donc je fais deux mini randonnées en une. Bon après forcément. Hop, les caravanes. Et ben et de l'autre côté, moi j'aurais tendance à dire hop que c'est les bouillouses, fond romeux, etc. etc. les angles. Donc c'est parti les amis. Oui, les bains de Lyon, ben, en fait ils sont juste sur le passage, juste derrière moi. Donc j'espère qu'on sera à la fraîche. Bon, ce ne sera pas le cas de toutes les randonnées. Le Sègre. On a la fraîche, hein, on a le terme. Ouais. Bah, il y a la route, elle est toute tracée. Hein. Bon, on y est corps. Hop, ah, la petite lessiveuse. Ah, il y en a qui pourraient avoir moyen de... Ouais. Bon, on est à la fraîche. Voilà. Oui, une sacrée hauteur. Pas combien, mais à mon avis, il y a au moins 200 mètres, non? Alors, on est sur la route des bains des eaux sulfureuses. Donc, il y a les bains de l'eau là. Il y a les bains de Saint-Thomas, je crois qu'à plus de 40 km. Il y a certainement d'autres. Des stations de remise en forme. Et des établissements thermaux. Je dois faire un peu plus d'un kilomètre. Ah, regarde. Bon, j'avais fait les gorges du Besse là, bon, c'est pas vraiment dans la région. Et on était assez rapidement dans les champs et en forêt. Bon là, bon après c'est une petite route goudronnée. Enfin à moins 1,5 km à mon avis. Alors nous sommes au piton de Castelvivre, qui culmine à 1629 mètres et qui domine le Sègre de 150 mètres. Ouais, donc tu vois, j'étais pas loin tout à l'heure quand je disais 200 mètres. Attends, mais c'est bien. Alors il y a des couches qui sont régulièrement inclinées là, de 40 degrés. Schiste blanc de marbre, calcaire et dolomie, alternance de calcaire ici, ce mica schiste. Hop, c'est vrai que ouais, là, tout un petit des petits panneaux éducatifs. Hop, voilà un beau ciel bleu. Hop, et puis pour l'instant notre petite route. Ah oui, puis ce que j'ai pas dit évidemment, c'est que l'incontournable de la région, comme ça vous voyez le chemin, c'est évidemment les gorges de la 40. Alors il y a la partie, il y a une petite boucle de 5 km. Et moi j'ai fait à la rallonge, je sais plus combien. Après il y a une partie en aller-retour. Et il y a une plus dure de 19 km là, avec 1200 dénivelés, je crois. Bon. Ouais. Ah, beaucoup de végétation. Hein. Ah ouais, forcément. Je me souvenais plus des autres gorges que j'ai fait, bon, j'en ai fait quelques-unes. Gorge de Serra, c'était dans le Puy-de-Dôme, il me semble. Il y en avait des autres aussi. Voilà, vous pouvez piocher dans la playlist. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, on traverse des zones pastorales. Et c'était indiqué que il y a des loups. Attends, mais c'est la maison du fermier là, enfin de l'agriculteur, ouais. Plutôt sympa, hein. Oh, hein.
les panneaux solaires et le loup est présent sur le territoire. Les patous vous protègent. Ouais. Ouais, des belles randonnées quand même, je pense, à faire là à la fraîche. Bon, alors nous, c'est pas là qu'on va. Je me suis légèrement décalé sur la gauche, sur la droite, pardon. Hop, on vient de là. C'est la Culassa, je crois. Refuge, et ici on est à 1000. La Culasse. À 1500. Ah, c'est vrai que c'est super. C'est super, bon, ouais. Ah, on va prendre des vrais chemins de randonnée. Mapatiras, 1573. Ouais, forcément, on va s'élever. Donc, on va avoir des panoramas de plus en plus jolis. Hop, donc là, on a fait un peu moins de 2,5 km sur la route goudronnée. Là-bas, c'était le piton cèdre. Et on va direction. Ah non, ou à moins que ce soit un refuge. Ouais, on va voir. Voilà notre beau petit panorama, et si vous avez entendu, il y a les patous, ils sont pas très commodes, hein, je vous le dis. En fait, faut faire comme si on les ignorait. Pour essayer. Bon, ouais, heureusement, il y a des barrières. Alors, gorge du Sègre, légèrement sur la gauche. Ouais, parce qu'après, bon, on a eu, c'est pas très praticable. Regarde-moi comme ça, c'est Mimi. Et aussi, oui, on va normalement voir la chapelle de Féliou. Alors, je sais pas si elle est en bon état, restaurée ou je ne sais trop quoi. On verra bien. Ouais, je pense qu'on va, hop, boum, plein cadre ici. Il y a une sorte de panneau. De toute façon, à un moment donné, il faut grimper. On a, comme qu'il irait, pas loin de 500 mètres de dénivelé, donc bon, en moyenne on aura... Non, à mon avis ça va piquer après. Ouais, parce que là on avait beaucoup de plats, enfin du plat montant. Hein. Donc à mon avis ce sera du 15-20% après. Hein. Alors je sais pas trop ce que c'est que cette bestiole. Ah, allez, go. L'hélico, il tourne. Bon, après, je sais pas s'il y en a qu'un ou il y en a plusieurs, mais après, c'est vrai qu'il fait tellement sec. Bon, t'as toujours l'hélico qui tourne. Je sais pas si c'est le même. Bon, il va pas très vite, hein, je trouve. Donc, à mon avis, il doit faire de la surveillance. Et regarde-moi ce beau petit panorama. Ah, c'est mythe carte postale, là. Alors. C'est tout mimi, et ouais, donc vous voyez en haut à droite là, alors je sais pas si on le voyait d'en bas, mais bon, j'avais le soleil dans les yeux, donc hop, à noter, nota bene. Ah, c'est top, donc on va aller jusque là-bas, je pense. Alors, allez, go. Et t'as vu, il y a une belle ligne droite là, avec hop, les petits arceaux. Ah ben, on vient tout en bas, donc après c'est vrai qu'il faut se retourner pour voir, enfin après le virage là-bas, pour voir le piton rocheux. Bon, après on le voit en long, en large et en travers lors de la montée. Et un beau petit papillon jaune. Essayer de mettre son nom. Hop. Ah, et l'hélico, il tourne. Regarde-moi ça si c'est pas Mimi. Oh. Je pense qu'après on va, comme qu'il dirait, là-bas. Parce que là, la chapelle est juste derrière moi. Donc là-bas, ça va grimper. Hein. C'était la boucle du lion. Alors je me souviens plus trop ce qu'il y a à voir. Et la chapelle, c'est ce qu'on a là-bas. Hop, l'ancienne chapelle. Et on a un désormais
super panorama. Non, je vais avancer sur la ville. Alors je sais pas, moi je dirais peut-être Font-Romeu, hein, je sais pas, vous me direz. Alors si vous reconnaissez, là-bas il y a un gros bâtiment. Hop. Hop, là, c'est vrai que c'est super. Belle petite montée tout de même. Jusque là-bas. Et l'hélico, il me surveille. Alors notre piton rocheux, notre route tout en bas, il y a tout en bas, l'air de rien. Pas si vous voyez la route, hop. On a tout contourné, hop hop hop. Là, je vois un chemin qui va là-bas aussi. Bon, c'est certainement là que je vais. Hop. Je me casse pas la figure, comme ça en même temps on profite du panorama. Hop, ah, c'est vrai que c'est super beau, la chapelle de Saint-Félu. Ah. Hop. Ouais, et puis je pense que oh, ça a été restauré. Pour éviter que ça tombe, hop, donc là, l'argile elle commence à faire son temps. Hein. Hop. Ouais, attends, là, attention. On a une belle petite marche. Hop. Et à l'intérieur. Un extra. Avec là-bas, c'est dommage, c'est tout brumeux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Hop. Mon avis, je le verrai tout le temps comme ça. Hein. Hier, j'avais peut-être un meilleur visu, peut-être. Alors là, c'est toute la vallée de la Cerdagne. Hop. Si vous voyez bien. Là, ah ouais, il y a un peu plus de voitures que tout à l'heure là. Donc les gens ils arrivent. Hop. Alors au niveau des noms de village, j'en sais rien. De toute façon, moi je viens. Je sais même pas. Ah, si on vient de la droite. Hein. À mon avis, hop hop hop. Moi c'est tous les villages. Ah bah c'est peut-être la bâtisse, c'est le jeu. Il y a des. C'est le château ou je sais plus quoi là. Les forteresses. Ouais, c'est pas impossible que ce soit ça. Bon. Hop. Ouais, c'est super. Bon, on a un panorama 360. Hein. Hop. Avec la petite chapelle. Notre petite chapelle Saint-Félieu. Un peu plus devant là que tout à l'heure. Parce que. Ouf. Bon, après, tu me diras, on était dans la montée aussi. Hein. Bon, la montée, elle est pas méchante. Pour l'instant, il n'y a rien de bien méchant. Hein. Peut-être 2-3 passages. Bon. Et puis, il y a cette montée là. Ouais, rien de bien méchant non plus. Hop. Ouais, bah oui, là-bas c'est notre route et c'est toute voilà, la station électrique là. Hop, attends, c'est que la chapelle, où c'est qu'elle est, elle est là, hop. Ah, une sorte de chapelle verticale. Convoyé tout à l'heure. Et convoyé en plein soleil. Ah, tu vois, il y a plein de chemins. Après, je dis qu'on va. Je dis qu'on va là-bas, mais j'en sais rien en fait. Parce que là-bas, c'est grave. Après, je sais pas où ça mène. Parce que là, il y a... Là-bas, il y a comme qu'il y a l'air d'avoir un petit trou. Bon, après, on peut toujours passer dans la forêt. Ouais, donc, ok. C'est le chemin. C'est top.
Alors je confirme, ouais, c'est bien la montée qu'on voyait en face. Attends, les gens, je les vois plus là. Où ils sont? Juste derrière l'arbre? Non. Alors, une petite grimpette. Pas regarder le pourcentage. À mon avis, 20-22 facile. Donc on va jusqu'à le plat, je crois. Boucle du Lion, maintenant. Je me suis trompé. Hop. En fait, j'ai continué tout droit au niveau de cette montée-là. Et ben non, c'est pas ça. Il faut aller légèrement sur la droite. Mais bon, c'est vrai que... Bon, dans l'effort, j'ai pas fait attention. Ma montre, elle a pas bipé. Ce là-bas, c'est des pâturages. Il y a des clôtures. Ah, l'hélico encore qui fait le tour. Alors, la chapelle, c'est là-bas. Donc on a grimpé tout ça. Je crois qu'on voit des gens qui descendent. Le croisement, c'était ici. Et hop, tout en bas, c'est notre route. Allez. Et à mon avis, je sais même plus où. Donc Col del Plat, j'ai vu. El Plat, pardon. C'est 1788. Après, on va jusque 1831, à la théorique, après c'est peut-être. Et Col de Jouvel, je crois, après, c'est dans la descente. Ouais, là, il y a pas mal d'herbe. Ouais. Ouais, bah attends, là, c'est les montagnes qu'on voit depuis les angles, le mont Larrey sur la droite là, avec encore de la neige à droite toute, hein. Hop. À droite là-bas, hop, bon, bah, on va y retourner, donc El Plat pour El Plateau, je suppose. Oh, bah, tout le monde qui me regarde, je savais pas qu'il y avait un comité d'accueil. Donc non, moi j'envoie sur la droite, sinon je vais contourner. Non, en fait, je suis l'attraction du jour, parce qu'elle ne doit pas rencontrer beaucoup de monde. Hop, hein, madame la vache. Hop, on vient encore, moi. C'est joli. Non, c'était pas sur la droite, c'était en plein troupeau. Ah ouais, attends, on voit mieux que tout à l'heure, là. Ah, c'était le paysage bah, qu'on voyait d'en bas. Sauf que là, on est... 300-400 mètres plus haut. Ah, il y a une vache planquée là-bas toute seule. Et ce serait même notre chemin là, plein cadre. Je pense. Ouais, faut, je suis pas sûr. Non. Allez, go. Ouais. Bon, après, on peut simplifier la randonnée là. Je pense qu'on peut descendre par là. Mais moi, je me disais, non, parce que vous avez vu, c'est marqué Pic des Finestrelles, 3h45, 7 km. Bon, évidemment, je vais pas là-bas, je vais bifurquer sur la gauche dans la descente avant. Mais bon, sinon, 4h, ouais, ça pique. Hein. Après, il faut descendre. Ouais, je sais pas où ça mène. Donc, j'ai dit des bêtises, les amis, c'était pas sur la droite. Là-bas, Finestrelles. Avec une éventuelle bifurcation sur la gauche, mais c'était bien sur la gauche ici. Alors, où ce petit panneau dans la bombe, je vais décaler un petit peu parce que je sais pas bien qu'il y a. C'est une tour là-bas. Ça veut dire une tour, tour de Pise, et c'est vachement grand. Donc là, on. Il bon, faut prendre donc la direction de Port de l'eau, Lio, plutôt. C'est celle qu'on voit depuis Mont Larrey, les Bouillouses. Hop. Ouais. Ah non, c'est une méga église ou une méga chapelle. Bon, nous on a encore une belle petite ligne droite là. Hop, ça va jusqu'où ça. Bon. Ouais, faut toujours s'arrêter hein, parce que là, hop, en fait.
Je regardais sans regarder et tout à l'heure j'ai pas vu. Bon, en même temps j'ai les lunettes de soleil mais donc ça assombrit un petit peu. Hop, mais là c'est notre petite chapelle, hein. C'est là où on était tout à l'heure. Donc on a retourné la forêt. Hein. Voilà. On arrive à un beau petit croisement là. Alors notre chapelle Saint-Philippe, elle est toujours là-bas. Elle n'a pas bougé de place. Elle avait fait une chapelle aussi une fois. C'était. Les gorges. Ah, pas de régalès, peut-être. Gorge du Verdon. Bon, faut piocher dans la playlist. Donc ben nous, c'est pas là-bas qu'on va, parce que bon, là, ça monte. Ouais. On ne peut pas faire non plus 1000 mètres de dénivelé tous les jours. Hein. Et puis, ben on va sur la droite. Hein. Ouais, c'est tout mimi. On va avoir un autre petit panorama là. Ouais, ça va être cool. Bah là-bas c'est notre station électrique, centrale électrique. Hop. C'est là-bas, je vois plein de petits des appartements, on dirait qu'il y a 3 étages. Je sais pas si c'est des stations de ski. Après c'est pas impossible. Là-bas on doit être à 1700 d'altitude. Ouais. Ouh, on est 600, 1700. Donc bon. Voilà notre joli panorama. Ouais, c'est une chouette randonnée. Hein. Et donc, bah oui, mais là, la centrale, je vois pas bien si c'est des panneaux solaires. Bah, je pense que oui, quand même. Mais après, dans toute la descente, quasiment, tu profites du panorama. On voit pas tout le temps la centrale. Hop, elle a toujours une couche. Un voile, en fait. Ah, puis au fond, c'est même encore pire. Je sais pas ce que c'est, ça. Hop. Ouais, c'était une chouette randonnée. Bon, franchement, il faut le faire. Les 200 mètres de dénivelé en plus, là, pour avoir une visu sur la chapelle. Ouais, c'est sympa, c'est sûr. En pleine chaleur, c'est pas des plus simples, mais. Profite du paysage en même temps un peu plus. Allez, go, la direction, on va passer par la ville, oui. Ouais, il y a deux petits virages sur la route là qu'on passe. Donc bon, c'est vrai qu'il faut faire attention si c'est en pleine période estivale. Hop. Et après, on bifurque sur la gauche. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle la boucle du Lion. Non, c'est strictement rien. Ouais, c'est presque la forêt vierge, la boucle du Lion. Mais tiens, en fait, on voit là où on était tout à l'heure, c'est-à-dire la chapelle et le beau petit panorama de tout à l'heure au niveau des gorges, tout en bas. Ouais. Hop. Toc. Randonnée, hein, donc je peux regarder ma montre. Ouais, la descente là-bas, bon, c'est un peu long quand même, hein, aussi. Bon, il y a pire. Hein, mais... Hop. Ah bah, on jouxte les voies privées. Hein. Et là, c'était une épingle à cheveux, et mais une belle épingle à cheveux. Ouais. Parce que ouais, la trace est jamais précise à 100%. Moi. Ah, ça dépend de celui qui l'a acquis, quel GPS et puis comment c'est traduit par ta montre quoi. Donc bon, il y a juste un petit bout de chemin. Une belle petite maison là. Donc, ça a été refait à mon avis. Hop, on allait direction la ville. Et aller à la tour carrée là-bas. Mais bon, encore une petite trotte. Hein. Donc là. Bon, c'est un petit belvédère, peut-être même une voie privée. Mais... Hop, un autre parking. Et là-bas, ma voiture elle est là-bas. Il y a quelqu'un qui s'égare à côté de moi. T'as 200 places, mais bon, voilà. Il n'y a personne. Voilà, notre petit panorama.
Oh, je vais pas jusqu'à la tour. Voilà. Donc, voilà le petit village de Lyot. Ah, il y a quand même pas mal de petites maisons. Et la tour carrée. Hop. Elle est là-bas. Ouais. Non, il faut une sacrée trotte. Au moins trois virages là-bas. Ouf. Pour tout ça pour redescendre. Ouais, donc je suis pas allé à la tour. Hein. Hop, et vous voyez les petits chemins. Hop, et un village qui peut tout couper comme ça. Alors c'est pas ici, là il y a une croix. Hop, avec les petites ruelles. Bon, moi je serais allé dans la ville. Hop. En fait, une dernière, normalement la trace aussi, on y passe un petit peu. Mais là, c'est sympa. Même. Hop. Et en plus, il y a un balisage jaune. Pas mal de façades qui ont été refaites quand même. Récemment. À dire dans l'ensemble. Ah. On n'a plus le soleil dans les yeux. Hop. Ça fait un super panorama. Alors t'as la tour carrée là-bas. Je pense qu'on peut se garer si vous voulez y aller. Ah, encore les hélicoptères. Et il y en a tous les 20 minutes. Hein.